Eh bien, bonjour. Donc, je suis Juliette Janto, donc étudiante à l'EFA Paris en troisième année de communication. Je suis arrivée cette année en admission parallèle et me voilà en stage actuellement pour un stage de 4 mois. Alors, je suis en stage pour un DJ qui s'appelle Paragon. Donc c'est un DJ de musique électronique, donc il fait de la musique progressive house ou alors de la melodic house et un petit peu des fois techno et trance. Donc en fait il n'est pas encore vraiment connu sur le territoire français, c'est pour ça que je suis chargée de communication pour lui. Donc en fait je me suis occupée de créer totalement une communication parce qu'il n'avait pas beaucoup de support ou de moyens de communication avant que j'arrive. Donc je suis vraiment autonome, je crée totalement toute la communication. Après évidemment, je mets de tous mes cours que j'ai eus précédemment. Donc voilà, mais c'est très très autonome comme stage. Comment l'EFAP m'a aidé à trouver ce stage? Alors on a eu plusieurs réunions avec l'équipe pédagogique pour chacun voir quelles étaient nos envies de stage. J'avais envie de faire un stage dans le domaine de la communication, mais aussi le domaine musical, pouvoir allier les deux. Et elle, directement, elle m'a mis en contact avec un DJ. Et nous avons été évidemment prendre un café pour un petit entretien, voir si nos attentes correspondaient entre ce dont il avait besoin en termes de communication et ce dont j'avais envie pour un stage. Et ça a tout de suite matché. Et pour le coup, le stage se passe très bien. Ce qui me plaît beaucoup à l'EFAP, c'est le fait que les professeurs soient des intervenants qui travaillent en même temps. Donc cette expérience terrain me plaît beaucoup parce qu'on a vraiment des informations essentielles pour rentrer directement à la suite de notre cursus dans le monde professionnel. Et pour moi, il y a un énorme réseau d'anciens élèves, d'alumni, et dans des milieux totalement différents. Et pour moi, ça peut vraiment aider si on a besoin de conseils, d'aide ou alors même de trouver un stage ou un travail. Ça peut être très intéressant d'utiliser ce réseau. Je suis très contente de ces études à l'EFAP. En tout cas, ça fait pas très longtemps que je suis arrivée, mais je pense qu'on a été beaucoup accompagnés sur tous nos projets déjà depuis quelques mois. Donc vraiment très contente et j'ai hâte de voir la suite.